va chanter le 382. À la croix où mourut mon sauveur. À la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu.
Dieu nous bénisse. C'est tellement merveilleux de voir que des gens, des hommes, des croyants ont fait une expérience avec Dieu. Et quand nous chantons ces cantiques, nous savons que c'est vraiment des expériences que les gens ont vécues. Ce n'est pas des chants qui sont chantés pour danser, mais des chants qui sont écrits pour qu'en le chantant, nous réfléchissons. Ça nous permet de réfléchir, de voir ce que le Seigneur a accompli pour chacun de nous. Et c'est une invite également pour que celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur trouve sa place. Amen. Parce qu'il y a une fontaine qui est ouverte pour tous les pécheurs. Nous l'étions aussi. Maintenant, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes des pécheurs rachetés. Et nous sommes des saints. C'est lui qui est notre sainteté. Et quand il est en nous, alors nous sommes saints. Quand il est avec nous, nous sommes saints. Regardez quand Jésus a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, mais tu es pour nous, tu es contre nous. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Déchausse-toi, enlève tes souliers, parce que là où tu te tiens est un lieu saint. Amen. Est-ce parce que la terre est sainte? Non, c'est parce qu'il y avait l'homme qui est saint qui était là. Amen. C'est pour cela que la même chose a été faite avec Moïse. Déchausse-toi, parce que là où tu te tiens là, c'est un lieu saint. Mais ce lieu as-tu été là? Mais pourquoi ce jour-là, ce lieu est saint? Parce que celui qui est saint est là. Amen. Quand le saint est là, tout devient saint. Amen. C'est pour ça que Esaïe était en face où il voyait les serviteurs crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est pleine de sa gloire. » Il s'est écrié « Mais malheur à moi, mes lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et moi, mes yeux ont vu le roi. » Et là, son péché et son iniquité ont été expiés. Il dit, ceci a touché tes lèvres. Que ce soit, moi, mes lèvres soient touchées. Amen. Que vos cœurs soient touchés. Amen. Et que tu sois purifié. Amen. Afin qu'au-dedans de nous, nous recevons le témoignage que nous avons été pardonnés. Amen. Alors Dieu peut chercher quelqu'un qui peut envoyer. Il dit, alors qui enverrons-nous? C'est à ce moment-là que Dieu cherche quelqu'un. Il dit, mais qui enverrons-nous? Isaïe peut répondre, me voici, envoie-moi. Maintenant, il se sent capable d'aller pour le compte de celui qui purifie. Parce qu'il sait qu'il sera avec lui jusqu'au bout. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qui arrive à cette sœur? Tu es fatiguée? Ne dors pas? Si on a un peu mangé un peu de foutu. Je voudrais m'excuser auprès de ceux qui sont en ligne. Il y avait un frère qui parlait avec moi quand je venais. C'est vrai, c'était un peu dérangeant. En fait, le frère, c'était une commission qu'une seule lui a faite pour lui demander de venir me le dire. Lui-même, il avait vu une chose il y a 4 ans. Il a couru après moi pendant plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, avant de me retrouver, de me la raconter. Mais je n'en parle pas parce que c'est quelque chose que quelqu'un a vu. Ce n'est pas à moi que cela a été montré. Aussi longtemps ça n'a pas été montré à moi-même, je n'en parle pas jusqu'à ce que les choses s'accomplissent et qu'on se rende compte que c'est Dieu qui est parlé. Alors, de quoi il est question? Une seule a fait un songe, je crois que c'est un songe, je ne sais pas si c'est un songe ou un visuel, a dit, va dire à Frère Badi, ce que je t'ai vu là, va lui dire, va lui raconter cela, parce qu'une grande œuvre l'attend. Bon. Et donc, c'est ça qui me parlait au téléphone. Et puis, c'est rentré dans le système. Veuillez nous pardonner. Ce soir, je vous laisse qu'on parle d'un sujet. J'ai pris quelques notes. Et de toute façon, je sais où les choses sont. J'ai pris quelques notes simplement sur lesquelles je voulais me baser pour que nous puissions ensemble lire un peu, regarder un peu, voir. Mais c'est un sujet simple, hein. C'est simple, je voulais parler un peu de... Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est... Demain, je vais parler de discernement, mais ce soir-là, je voulais parler de quelque chose de très simple. La conduite du Saint-Esprit.
Comment on peut être conduit par le Saint-Esprit? J'ai pris mes notes et je ne me retrouve plus. Mais je vais le retrouver. La direction, la conduite du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être conduit par Dieu? Pourquoi on doit l'être? Parce que celui qui n'est pas conduit par Dieu ne peut pas marcher avec Dieu. Et nous avons des modèles dans la Bible. Et le Seigneur aussi a dit la même chose. Il dit, il ne fait rien sans l'avoir fait au Père. Il ne fait que ce que le Père lui a prescrit. Ce qui fait qu'il n'a pas de volonté personnelle. S'il fait une chose, c'est parce que le Père le lui a dit auparavant. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que nous marchons. Nous marchons comme dans la religion. Et je voudrais qu'on ne continue pas de marcher comme ça. Voilà pourquoi je voulais qu'on parle de la direction du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être conduit par le Saint-Esprit? Si les autres ont été, nous aussi nous pouvons l'être. C'est vrai. Si d'autres ont été conduits par l'Esprit de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous aussi, nous devons pouvoir expérimenter la conduite du Saint-Esprit. On peut se lever. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, remercié, sois exalté, célébré. Au lieu que nous passions ce jour du premier de nouvel an, Seigneur a plaisanté, à jouer ou à dormir, tu vois, ceux qui avaient des préoccupations urgentes sont partis. Mais nous avons décidé de rester dans ta présence, consacrer ce moment-là à toi et te laisser nous parler simplement. Parce que c'est le temps où nous devons mettre tout de côté pour te servir. Ce temps, nous devons chercher, comme tu pourrais dire à Marie, à Marthe, Marie a pris la meilleure part qui ne lui sera jamais arrachée. Nous voulons qu'il en soit ainsi aussi pour nous. Nous voulons avoir toujours la meilleure part, être à tes pieds pour recevoir ce qu'il faut. Parle à nos cœurs, instruis chacun de nous, afin que Seigneur, si nous devons devancer les autres, ce soit pour aller nous reposer. Amen. Conduis ce moment et dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Vous savez, le premier cantique qu'on a chanté, qu'est-ce qu'on a dit? Le ciel t'appartient. Le ciel t'appartient. La terre t'appartient. Aucun roi n'est comme toi. Le ciel t'appartient. La terre t'appartient. Il y a beaucoup de rois, hein? Aucun roi n'est comme toi. Règne, règne, Seigneur, règne, règne, règne dans ma vie, règne dans ton assemblée. Règne, règne. Pour moi aussi, Jésus, règne. Pour ta fille, règne. Pour ton fils, règne. Règne. Les autres rois dominent, mais lui règne. Et son règne n'aura jamais de fin. Son règne n'a pas eu de commencement et ne doit pas de fin. Les autres rois naissent un jour. On les consacre, on les intronise comme rois. Et puis un jour, ils quittent, ils meurent. Ou on les tue et puis quelqu'un d'autre prend leur place. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi j'ai fait chanter ce cantique. Ce n'est pas pour vous donner l'émotion, mais c'est une voix perdue. Depuis qu'elle est partie,
Personne n'a chanté ce cantique. Si ce n'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante ce cantique à la mémoire de celle qui est partie. Pas de ma femme, mais de notre sœur animée. Ça sonne encore dans mes oreilles, hein, comme quand elle chantait elle-même. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Amen. Revenons. Jean-Marie, tu reviens. Je sais que c'est émouvant, mais c'est normal. Hein? C'est la voix de tout homme. David pouvait dire, je vais par la voix de tout homme. Un jour, ça peut être moi, ça peut être vous. C'est pour ça qu'il est bon que chacun de nous s'assure que Dieu règne en lui. C'est une sœur qui aimait bien le Seigneur. Elle aimait bien chanter la gloire de Dieu. Et c'est vrai. Et le Seigneur lui a montré beaucoup de choses avant qu'elle ne parte. Considère même l'Église. Elle a tout raconté à son mari. Aujourd'hui, quand on observe, il y a beaucoup de choses dont elle a parlé qui s'accomplissent simplement. C'est vrai. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas tristes. Vous savez pourquoi? Si on leur demandait de revenir ici, ils ne viendraient pas. Parce que ces bien-aimés ont fini avec les douleurs de la terre. C'est nous qui souffrons. En passant à leur mémoire, nous souffrons. Mais demandez-leur de venir, elles ne viendront pas, ces personnes-là. Elles se reposent tranquillement. Après avoir combattu le bon combat, je disais ce matin à un frère qui m'a appelé, je dis, c'est un soldat qui rentre avec les armes à la main. Elle a combattu le bon combat. Elle n'a pas déposé les armes. Donc, soyons tranquilles. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais j'ai gardé la foi. Amen. Beaucoup combattent pour un temps. Mais frères, sœurs, vous combattez pour combien de temps? Pour combien de temps encore vous aurez à combattre? Peut-être un jour. Mais que ce seul jour-là soit votre jour de meilleur combat. Peut-être un mois, peut-être un an, peut-être 2 ans. C'est vrai. Nous sommes en 2021. 2020 passé, beaucoup ont pleuré. Je pouvais dire même l'Église tout entière a pleuré plusieurs reprises. Parce qu'il y a des voix qui ont disparu. Il y a des plaques qui sont devenues vides. Mais ces personnes se reposent. Amen. Nous, on sait que votre soeur qui est partie nous a dit de ne pas l'empêcher de partir. Elle a demandé qu'on empêche, on l'empêche pas de partir, d'arrêter ce que nous faisons. Oh, souvent, j'ai dit, j'ai envie, mon frère Lee Robert, qui est parti. Quand je pense à lui, j'ai dit, mais Ali, tu es parti te reposer tranquillement. Nous, on est encore dans les batailles ici, dans des guerres inutiles. Qu'ils ne disent pas leur nom. Vous voyez, aujourd'hui, vous entendez fortement le frère, le nom de la voix du frère Moïse. Si vous passez là, vous savez que c'est lui qui crie, c'est lui qui chante, qui parle. Un jour, ça peut arriver que cette voix disparaisse. Et vous allez vous souvenir qu'il y avait une voix qui tonnait, mais elle ne tonne plus. Elle a disparu. Mais elle n'a pas disparu pour toujours. Elle va encore retentir. Ce jour-là, quand on sera autour du trône,
en face de notre bien-aimé. Ça serait un beau jour, hein? Amen. C'est vrai. Ici, nous sommes des étrangers. Ici, ne nous appartient pas. Sachez que nous sommes des pèlerins et qu'on n'a pas droit à beaucoup de bagages. Prenons le minimum, mais laissons nos mains être remplies des trésors du ciel. Amen. Pour que quand ceux de la terre viennent nous manquer, ceux du ciel soient toujours là. Je ne sais pas si on se comprend bien. On se comprend, non? Que Dieu nous bénisse. Donc, je vais lire. J'ai pris quelques notes, quelques passages. Je vais me hâter d'aller à l'essentiel pour que vous ne perdez pas beaucoup trop de temps. On va passer par Romains. On se lève pour lire deux versets bibliques. Lisons dans Romains 8, 14 et puis Jean 16, 13. C'est un passage que vous connaissez très bien. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Romains 8, 14. Il n'y a rien de nouveau. Vous savez, c'est un livre de millénaires. Beaucoup l'ont lu avant nous. Beaucoup l'ont lu avant nous. Nous le lisons aujourd'hui. 8:14, Romains 8:14. Demain, d'autres le liront après nous, s'il y a encore du temps. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y a pas un autre âge après le nôtre. La seule chose, c'est que le Seigneur nous prenne avant, il doit d'autres personnes le lire après nous, jusqu'à ce que un jour, ça soit un jour de surprise. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Que ce jour ne soit pas un jour de surprise pour vous. Amen. Comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est seulement ceux qui vivent dans les ténèbres qui sont surpris. Ceux qui sont les enfants de lumière ne sont pas surpris. Amen. On ne connaît pas le jour ni l'heure. Mais le Seigneur nous permettra de savoir dans quel temps nous sommes. Amen. D'ailleurs, aujourd'hui, nous savons déjà, en regardant le monde, l'état de ce monde, les décisions qui se prennent, les choses qui se font. J'écoutais une émission où les gens voudraient réduire le nombre de la population mondiale. J'ai ri simplement. Vous savez pourquoi j'ai ri? J'ai dit, ce n'est pas eux qui peuvent décider. Ils ne peuvent rien décider. L'homme est égoïste. L'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. C'est pour ça que nous n'avons pas à avoir peur d'une maladie. Amen. Amen. Dieu peut mettre fin à tout en un seul jour. Il décide. Et le virus dont tout le monde a peur, on cherche des vaccins et tout là. Dieu décide. Et puis, du coup, ce virus va disparaître de la terre. Et puis c'est fini. Les gens seront surpris. Mais parce que Dieu l'a décidé. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Ses voix ne sont pas leurs voix. C'est vrai, non? Donc, ce qui doit nous importer, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est ce qui nous concerne personnellement. Quel type de relation avons-nous avec Dieu? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et puis, dans Jean 16, 13, Jean chapitre 16, verset 13. C'est le matin, mon frère Yapi, j'ai pas ça le matin, nous a donné un message qui est à réécouter, pour le réécouter. Quelqu'un disait que je parlais de lui quand j'étais à San Pedro une année. C'est un grand enseignant. Il se cache simplement, mais il dit des choses. J'aime bien souvent m'asseoir avec lui pour discuter des versets, pour parler des choses simplement. Il a parti verset 12, Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Amen. Asseyez-vous. Voilà deux versets bibliques qui vont nous servir de base pour que nous puissions parler un peu de la conduite par le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas voulu laisser ses enfants marcher par eux-mêmes, faire ce qu'ils veulent. Et il pouvait dire déjà au temps des apôtres, il pouvait leur dire, je ne vais pas vous laisser orphelins. Et il s'y dit, moi je vais vous faire venir le Consolateur. Mais quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, il va vous révéler ce que vous ne connaissez pas me concernant. Et dans Romains, Paul, Dieu a dit, ne peut être connu par l'Esprit de Dieu que celui qui est fils de Dieu. Amen. Et ça, ça permet à chacun de voir qui est-ce qui le conduit. Dans les décisions que tu prends, qu'est-ce qui te conduit à les prendre? Qu'est-ce que tu fais? Le fais-tu par toi-même? Vous savez, tout à l'heure, je parlais avec un frère d'une situation. Il m'a dit, frère, ce jour-là, tu prêchais et tu nous as demandé, quand tu as fini de demander de nous tenir debout, nous allons prier et de louer Dieu, de lever la main. Et alors qu'on louait Dieu, on levait la main et tu as commencé à prier. Et quelque chose est sorti de ma paume et tombait. Je pensais que c'était mon portable et j'ai voulu ramasser. Mais je regarde, ce n'est pas mon portable, mais j'ai ramassé la chose. Et ça l'a conduit complètement hors de la parole de Dieu. Et j'ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier. Ce n'est pas pour toi. Il dit, frère, je ne sais pas. Mais s'il avait un portable dans sa main, il ne peut pas le lever pour louer Dieu. Ce n'est pas possible. Mais c'est comme quelque chose qui est sorti de sa paume et qui tombait. Et l'impression qu'il a eue, c'est comme si c'est son portable qui tombait. Il voulait récupérer. C'était un mauvais esprit qui devait partir. Mais il a récupéré cet esprit-là et qui est rentré et qui a commencé à l'utiliser d'une autre façon. Jusqu'alors, l'esprit n'a pas pu l'utiliser. Mais dès qu'il a récupéré cet esprit, alors il a commencé par l'utiliser dans un mauvais sens. Et comme on a parlé, j'ai dit, je le rencontrerai. Je ne sais pas comment le rencontrer. Et dès que je l'ai vu, il a dit, toi, j'ai besoin de toi. Viens. J'ai besoin de parler avec toi. Et il a su que j'ai besoin de parler avec lui. Et il a dit, assois-toi. Et puis on a parlé ensemble. Et puis il a avoué. Puis il s'est mis à genoux, on a prié ensemble. J'ai dit, vas-y. Le Seigneur va te faire grâce. Bien-aimé. C'est le temps qui nous est donné aujourd'hui d'avoir la révélation dans tout ce que nous devons faire de la part de Dieu. De la part de Dieu, Dieu doit nous parler personnellement. Personnellement. Cela exige une expérience personnelle. Dans l'ancien temps, il n'y a aucun qui a entrepris une action quelconque aussi longtemps que Dieu ne s'est pas révélé à lui. Dites-moi, est-ce qu'Abraham a quitté où ça que Dieu lui a parlé? Non. Cependant, il est parti avec son neveu Lot. Et ça lui a causé beaucoup d'ennuis. Mais dès qu'il s'est séparé de son neveu Lot, alors Dieu est venu lui dire, voilà les limites de la terre que je vais te donner à toi et à ta postérité. Mais qu'est-ce que son neveu a vu? Son neveu a vu toute la pleine histoire. Il dit, mais là, mes brebis,
mon troupeau va brouter tranquillement. De loin, on peut surveiller. Mais Abraham était dans les collines, dans les montagnes, dans les coins rocailleux. On pense que ça, rien ne peut pousser là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. On pense que rien ne peut pousser là. Mais vous avez chanté des cantiques ce matin ou hier soir. Même le cœur le plus désert, le plus aride peut fleurir. Le cœur le plus desséché peut revivre. Qui le fait? C'est l'auteur de la vie. Devant lui, il n'y a pas assez de désert. Il n'y a pas assez de sécheresse. Devant lui, il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau en abondance qui peut couler pour vous rendre fertile. Et c'est vrai. C'est tellement important que nous devons savoir à quel stade nous sommes parvenus aujourd'hui. Est-ce que nous sommes encore secs? Ou depuis que nous avons pris l'engagement de marcher avec lui, nous avons reverdi. Nous avons été renouvelés. Bien-aimés, c'est le temps de marcher avec le Dieu de nos pères. Paul n'a jamais rien fait sans que Dieu lui ait dit ce qu'il faut faire. Tout près de nous ici, frère Branham n'a jamais rien fait sans qu'il ait reçu de Dieu une direction particulière. Si c'est le cas, que faisons-nous, nous? Si nous ne pouvons pas être conduits par le Saint-Esprit, nous devons nous poser la question, quel est notre statut? Parce que c'est une question de révélation de la volonté de Dieu à ton égard, pour ce qui te concerne. Être conduit par l'Esprit de Dieu veut dire quoi? Dieu te révèle quelle attitude, quel chemin par lequel tu vas passer. Être conduit, il dit, je ne vais pas vous laisser enfermer. Il viendra vous envoyer, il vous a conduit dans toute la vérité. Donc, il ne peut pas vous envoyer ailleurs que dans la vérité. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez dans 1 Jean chapitre 2. J'ai dit, j'allais la licencier simplement. J'ai noté que c'est une chose. Allons voir dans 1 Jean 2, 5, 6. Et puis on revient tranquillement tout de suite en arrière. 1 Jean. Comprenez 1 Jean chapitre 2. Il est parti verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors, l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un dit qu'il est en Christ, il doit marcher comme Christ a marché. Donc, il doit avoir pour modèle Christ. Or, Christ n'a jamais rien fait sans que le Père le lui ait montré. Ce qui veut dire que si tu dis que tu es avec lui, tu ne peux même pas bouger de ta maison. Si Dieu ne te dit pas de le faire. Amen. Tu ne peux pas choisir ton travail si Dieu ne l'a pas choisi pour toi. Amen. Parce que tu vas avoir un échec systématique. C'est pour ça que dans notre vie, il y a beaucoup d'échecs là. Tu ne peux pas choisir de femme si Dieu ne te la donne pas. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup de problèmes dans nos foyers. C'est vrai. Lui, il a marché avec son père. Il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pour ça que je ne suis pas seul.
Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, moi je fais tout ce qui est agréable au Seigneur? Parce que si tu le peux le dire, c'est que tu ne peux jamais être seul. Il est toujours avec toi. Dans toutes les circonstances, il sera avec toi. Et s'il est avec toi, tu es en paix. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est lui-même qui fait. Dans la religion, les hommes prennent les décisions. Dans la vie chrétienne des enfants de Dieu, c'est Dieu qui prend la décision. C'est lui qui conduit. C'est lui qui parle. Ailleurs, c'est les hommes qui parlent. C'est les hommes qui décident. C'est pour ça que je vous disais la fois dernière, frère. Dans la religion, c'est le mépris, c'est la domination, c'est la méchanceté, c'est la recherche de l'argent, c'est l'apprendre de la piété. C'est pas vrai. Mais dans la vie où Christ conduit son église, si vous conduisez, le voici si le Christ, le Seigneur le conduit, qui me conduit, nous marcherons de même pas. Un jour, quand il était encore au Gabon, il m'a appelé et dit, papa, est-ce que c'est parce que nous sommes trop durs envers nous-mêmes? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, Jean-Marie, prends un chrétien qui est un chrétien qui est en Amérique. Tu prends un autre qui est chose, en Europe. Un autre qui est en Asie. Un autre qui est en Afrique. Devant un problème, tous ces chrétiens-là auront la même attitude. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils seront conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui est en eux. Ce n'est pas eux qui vont prendre la décision, mais c'est l'Esprit de Dieu en eux qui prendra la décision. De sorte que, unis ensemble, la décision sera commune. Il n'y a pas de différence. Peut-être l'on va parler en chinois, l'on va parler en japonais, l'on va parler en anglais, l'on va parler peut-être en allemand ou en hollandais, et puis l'on va parler peut-être en chiluba ou en quoi que ce soit, ou en baoulé. Mais sachez, quand vous regroupez tout, si quelqu'un traduit, ce sera la même chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit dans l'homme. C'est pour ça que quand Paul est parti voir les apôtres, il a vu Pierre, Jean et Jacques, il ne les avait pas rencontrés auparavant, quand il a rencontré le Seigneur, et quand il leur a exposé ce qu'il prêchait, ils ont vu qu'ils prêchaient la même chose qu'eux. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas Paul, ce n'est pas le pharisien qui parle, c'est l'Esprit de Dieu dans l'ancien pharisien qui parle. Et comme c'est le même esprit qui est dans Pierre, Jacques et Jean, ils ne peuvent que se comprendre. Mais quand vous prenez deux personnes qui ne peuvent pas se comprendre, c'est qu'ils n'ont pas le même esprit. On parle un peu vite. J'ai dit j'allais un peu plus vite. Mais on va regarder quelques éléments. Combien d'entre nous consultent le Seigneur avant de mener quelques actions que ce soit? Combien d'entre nous, avant de décider pour son foyer, pour ses enfants, pour sa famille, consulte d'abord le Seigneur? Il y a des choses dont on pense, monsieur Kwadjo Albert, s'il te plaît, Kwadjo Albert. Écrivez son nom dedans là-bas, Kwadjo Albert. Il est en train de dormir l'après-midi là. Les dormeurs sont des menteurs, hein. Ils ne dorment jamais. Même quand vous l'avez traduit par la main. Revenez en arrière. Recommencez un peu. Prenons deux personnes. Je vous disais tout à l'heure que qui est-ce que, pour prendre une décision, il consulte d'abord Dieu. Dans l'ancien temps, quand quelqu'un fait un songe, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça comme monnaie courante. Non! On l'envoie devant le souverain sacrificateur. Et puis, on lui dit, raconte ton songe ou raconte ta vision. Et puis, porte le pectoral, les 12 pierres.
Et on veut voir comment va se conduire, comment va se comporter le rayonnement. Si les 12 pierres brillent de manière à former la couleur de l'arc-en-ciel, on sait qu'il dit la vérité. Mais quand tout reste terne, on te dit, ton son ne vient pas de Dieu. Ce que tu racontes ne vient pas de Dieu. Mets ça de côté. Aujourd'hui, Dieu nous a donné notre Urim et Thummim. Si quelqu'un veut être conduit par le Saint-Esprit, il doit d'abord connaître la parole de Dieu. Pierre refusait d'aller chez Corneille, non? Il refusait d'aller chez Corneille. Si Dieu ne lui a pas parlé avant, Pierre n'irait jamais chez Corneille. Jamais. Il peut pas. Mais il a dit quoi? Il dit, moi, je n'ai jamais rien mangé de souillé, d'impur. Il dit, veux-tu déclarer ce qui est impur, ce que moi je déclare pur? Pierre, as-tu la capacité de déclarer impur ce que moi, Dieu, je déclare pur? Il dit, tu y manges. Quand tu ne veux pas manger, descends. Il y a des gens sur la porte, ils sont venus te chercher. Pars avec eux. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu vas être conduit par moi. Et il sort, effectivement, les gens qui sont en train de frapper à la porte chez Simon le courroyeur. Il y a un certain Simon Pierre ici? Oui, il est ici. Oh là là. C'est beau, hein? C'est beau, c'est bien d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que vous ferez toujours ce qui est agréable à Dieu. Et vous marchez toujours dans la vérité. Vous aurez toujours les victoires. Vos ennemis tomberont tous à vos pieds. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui combat pour lui. C'est vrai, non? Désormais, frère, ne prends pas de décision à la va-vite. Prends ton temps. Mets-toi à genoux. Intercède jusqu'à ce que tu aies une véritable direction de l'Esprit. Et puis, vas-y. Rien ne dit que tu ne vas pas avoir de difficultés. Hein. Rien ne dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais quand tu sais que c'est lui, tu as de l'assurance. C'est pour ça qu'il faut être conduit par lui. Parce que quand le problème vient, tu as de l'assurance. Tu sais que c'est lui. Regardez Pierre. Quand il a marché sur les eaux, qui lui a ordonné de partir sur les eaux? Ce n'est pas le Seigneur. Il a demandé, dit, mais viens. De sorte que quand la situation devenait dangereuse, celui qui a ordonné a rattrapé pour corriger. Si Pierre, quand il a dit ça, c'est puis il a sauté en temps dans l'eau, c'est lui qui aurait pris la décision. Mais il a dit, mais si c'est vraiment toi, je vais m'assurer. Ce n'est pas un fantôme, c'est toi. Mais ordonne. Donne-moi un ordre. Et je serai léger comme une feuille sur l'eau. Et l'eau sera pour moi comme un chemin dur. Il dit, mais viens Pierre. Vous comprenez? Viens Pierre. Pierre est sorti de la barque. Il a mis son pied sur l'eau. C'est dur. Il a mis le second pas, le troisième, le quatrième. Et puis, le Seigneur qui le connaît va l'effrayer un peu. Il a laissé une grosse vague venir. Dès que la... Ta foi est partie. C'est lui qui a ordonné à Pierre de venir, non? Viens, Pierre. La Bible dit qu'il a serré la main de Pierre, en même temps, ils sont montés dans la barque. À quelle distance sont-ils de la barque? Personne ne peut le dire. Mais il a tout pouvoir de raccourcir les distances. Il peut raccourcir les distances. Frère, vous savez, je vous ai raconté cette expérience que j'ai vécue à Navier une fois, non? Où il y avait beaucoup de turbulences, de fortes turbulences. Alors c'était tellement dur que ta foi pouvait être flanchée un peu. Et puis j'ai prié. Et puis c'est comme si je dois dormir et je vois que c'est comme si on est dans une voiture sur un chemin rocailleux. C'est ce qui faisait que l'avion
bougeait ainsi. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais on n'est pas en danger. On est juste sur un chemin qui est rocailleux. J'ai tiré mon drap et puis je me suis couché. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à 45 minutes de l'atterrissage. Parce que je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? En haut, si ça tombe, ça va tomber. Il y a un seul qui peut le maintenir. C'est lui. Frère, n'allez pas dans les voyages si vous n'avez pas encore l'accord de Dieu. Amen. Pour nous qui aimons voyager, souvent là, ne prenez pas le voyage comme ça. Hein. Regarde l'apôtre Paul. On va le lire. Allons dans Actes. J'ai noté quelques passages comme ça que je vais examiner avec vous. C'est Actes combien? Je crois l'avoir noté certainement. On va regarder dans Actes, après je fais chapitre 14, on va regarder. Vous savez bien que c'est là où on les a consacrés pour aller à l'ouvrage. Je sais bien que je l'ai noté ce passage, laisse-moi je le trouver tout de suite. Comment? Non, non, non. Là où il ne leur a pas permis d'aller ailleurs que là où le Seigneur les avait empêchés d'aller ici, empêchés d'aller là. J'aimerais vous le faire voir. J'ai tellement écrit dans tellement de désordre que souvent, pour retrouver ces passages, ce n'est pas tout évident. Mais je vais vous le trouver tout de suite. À moins que je ne l'ai pas noté. Mais on va le trouver. Prenons Actes seulement. Prenons les premières missions de Paul avec Barnabas. C'est Acte 13. Acte 13, à partir du verset. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. C'est le chapitre 16, exactement, frère. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est à partir du verset 6. C'est Acte 16, verset 6. Ayant été empêché, par qui? Par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine nous secourir. Secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils ont été empêchés combien de fois? Deux fois. Ça, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient aller en Phrygie, au pays de la Galatie. L'Esprit de Dieu a dit non. Vous n'allez pas là. Vous n'allez pas prospérer là. Et puis ensuite, ils arrivent à Mysie. Et ils se disposaient à rentrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus leur dit, non. Continuez votre route. Alors qu'ils ont fait la route, le soir arrivé où ils dorment. Et alors là, Paul fait ce qu'on appelle une vision nocturne. Il y a un Macédonien qui dit, pardon, secours-nous, viens pour nous secourir. Et là, ils comprennent que Dieu veut qu'ils partent là, en Macédoine. Ils ont laissé beaucoup. Vous pensez là-bas, il n'y a pas de croyants, il n'y a pas de fils de Dieu. Mais quel qu'il en soit, ce n'était pas le temps. Plus tard, l'apôtre Paul a écrit aux Galates, non? À toutes les églises en Galatie, non? Il a écrit. Mais ce jour-là, ce n'était pas le temps. Pour l'instant, il devait aller à Macédoine. C'était là où Dieu veut qu'il parte. Parce que c'est là où c'était urgent. Être conduit. Être conduit.
Comme un enfant, quand un enfant naît, il a besoin d'être conduit par sa mère. Un enfant qui naît, il a besoin d'être conduit. Pour apprendre à marcher, il a besoin d'être conduit. C'est pas vrai? Nous tous, on a expérimenté ça. Aujourd'hui, on expérimente. Le bébé, il naît, on le garde quand il commence à marcher. On se tient comme ça, puis on dit, viens, viens, pour l'encourager à venir. Et puis, il fait le premier pas, il fait le deuxième pas, et puis il fait le troisième pas, et puis on le tient par la main, on le prend, on l'embrasse, et puis on le félicite. Il a besoin d'être conduit, d'être dirigé jusqu'à ce qu'il devienne mature. Nous aussi, nous avons besoin de tenir la main du Seigneur pour nous conduire sur chaque chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Je vais vous donner un autre exemple. Comme j'ai dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il est déjà à quelle heure? 17h moins, c'est ça? Oui, il est 17h moins. À 17h. Pour que vous puissiez vous asseoir le matin, vous avez veillé. Vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas pu bien vous reposer. Il faut que la nuit soit un peu plus longue pour vous. Mais je sais bien que même si on arrête, beaucoup vont rester là pour chapeauter, papoter un peu, discuter un peu. C'est ça, non? Ça, je le sais. Prenez Jean, chapitre 1. Et je vais vous donner, laissez-moi vous donner quelque chose que nous avons vécu. Oh, le frère Paré n'est pas là. Badou n'est pas là. Frère, il est bon de se laisser conduire par Dieu. Une année, je dis son nom. On était là quand le frère Sandy a dit, Badi, Badou, Paré, il y a un besoin à Boaké, allez-y. Dans mon cœur, je n'étais pas très certain qu'on devait faire ce voyage. Mais il a tellement insisté qu'il a mis sa voiture à notre disposition pour qu'on parte. On a pris la route. Pour pas on est arrivé à Boaké, on n'est même pas arrivé à Sikensi. On n'est même pas arrivé à Sikensi. Avant Sikensi, on a fait une première crevaison. On a dit, bon, on va aller jusqu'à Sikensi. On a changé. On va aller jusqu'à Sikensi pour voir les gens qui s'occupent des pneus là, pour qu'ils puissent réparer le pneu pour qu'on le mette comme pneu sur pour aller. Avant d'arriver au carrefour de Sikensi, on a fait encore une deuxième crevaison. Donc on ne peut plus arriver à Sikensi. Ce qui a fait, c'est de dire, il faut retourner. J'ai dit, frère, je ne vous ai pas dit. Maintenant, on retourne à la maison. On a crevé deux de ses pneus. On tourne. Il y a des gens qui étaient à côté là. On voit la lampe. On dit, bon, on va aller là-bas pour leur demander secours. On a dès que nous venons de disparaître de la brousse. Donc on vient s'arrêter au bord de la route. On ne peut rien faire. Deux pneus perdus. Si vous voulez rouler, vous déchirez tout. On est arrêté sur la route. On est arrêté là. Il pleuvait même. On était là. Et puis on voit un camion qui vient, qui regarde à notre côté. On dit, voilà la situation. Il a dit, bon, c'est pas bien grave. Gardez le pneu que vous avez là. Mais on va vous suivre doucement, doucement, jusqu'à on va arriver à partir de Yopougon. On va chercher quelqu'un pour vous dépanner. Frères et sœurs, je vous parle Bible en main. Au jour du jugement, ce que je vous dis là, ça s'accorde comme frère. Si vous voulez appeler frère Badou, demandez-le lui. Appelez Paré, demandez-le lui. On est monté dans la voiture. Coucou. Les autres sont derrière nous. On est arrivé à Yopougon. Dès qu'on est arrivé à Yopougon, on s'arrête pour chercher ceux qui nous ont conduits. Il n'y a personne qui nous a conduits. Personne n'était derrière nous. Leur voiture a disparu. Ils ne nous ont pas dépassés. Et tout. On a compris seulement que Dieu envoie son ange pour nous protéger. Auparavant, on ne l'a pas écouté. Quand il nous a dit de ne pas partir, on n'a pas écouté. Mais il a eu pitié de nous. Il n'a pas voulu qu'on reste sur la route. Il nous a amenés. Le pneu ne s'est pas déchiré. On est venu avec un pneu comme ça, roulé. Pas loin de Sikensi pour venir jusqu'à Abidjan. Frère, apprenez à marcher avec Dieu. On est parti avec Jérémie, Corentin, Charles, dans la grande forêt de Gritry pour chercher la face de Dieu. Dans la zone, il ne pleuvait pas. Il pleuvait partout sauf là où on était. On n'avait pas de tente.
On a pris des bois, on a fait le lit, on a coupé des herbes, on a mis dessus, on a mis les nattes dessus, c'était notre lit ça. On a fait le feu à côté. Et puis une nuit là, on attend, on arrive là, voilà un gros éléphant. Quand j'ai dit, frère, voilà un éléphant, il a pris peur. Il est parti, il a cassé un gros arbre et puis il est parti. Et Jérémie vient en ville. On a fait un mois, bro. On a fait un mois. Je vous dis, j'étais en première année d'université. Et on a laissé les études. Je ne dis pas de faire comme nous. Hein. Je le dis toujours. Je ne dis pas de faire comme nous. Et puis on a laissé les études. On a dit, mais qu'on ait les diplômes ou pas. Tu peux avoir le diplôme aujourd'hui et puis tu peux ne même pas travailler avec ton diplôme. C'est faux? Et le diplôme aurait servi à quoi? Mais si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas le diplôme, tu as toute la richesse. C'était notre raisonnement, ça. Et puis on est parti. Et puis Jérémie vient en ville, il veut construire sa boîte. Il y a une lettre de frère Favre qui arrive. C'était vers la Pâque, il doit venir. Joseph, tu te souviens bien? Joseph, tu te souviens bien? C'est l'année où tu as parlé en langue là. Hein? Sankanyanze, oui. Dans l'une de mes Bibles, j'ai noté la date. Je ne sais pas si dans celle-là, j'ai noté la date aussi. Ici, il n'est pas noté la date. J'ai récupéré la date. Mais je crois que. Non, je n'ai pas noté la date ici. J'aime bien noter maintenant les dates. Alors, Jérémie vient dans sa boîte, la lettre est arrivée. Frère Favre doit arriver à tel jour. Et donc, on est tenu de sortir de la brousse pour qu'on puisse aller recevoir Frère Favre. On a dit à Jérémie, aussi longtemps que Dieu ne nous dit pas qu'il nous a donné le Saint-Esprit, nous ne sortons pas de la forêt. Jérémie est coincé. Nous sommes jeunes. On ne connaît pas la forêt. C'est lui qui connaît la forêt. Et on est parti à moto. On est parti à... Moi, j'ai monté une moto. On est parti à trois motos. Donc, on a mobilisé, on va paralyser ce gars-là en forêt là-bas avec nous. Premier jour est passé. Deuxième jour est passé. Troisième jour. Là où il n'a jamais plu, là, il va commencer à pleuvoir. Une grosse tornade arrive. Tu vois la cime des bois là, des arbres là, ça se penche comme ça. Et nous, on s'est mis tous en slip. On a enlevé tous les pantalons et puis on chantait, on louait Dieu. On chantait, on louait Dieu. Pensant qu'on était dans la volonté de Dieu, mais à cet instant précis-là, on commençait à prendre une position qui est en dehors de la volonté de Dieu. On loue, on loue, on loue. La tornade arrive. La pluie nous chicote bien pendant 2 heures de temps. On est trempé. On fait le feu. Après, on se repose. Le lendemain, j'ai mis dit, frère, il faut que je rentre en ville. Donc, on doit retourner en ville. On dit, pas question. À 15 heures, le même phénomène. Le ciel est devenu tout sombre, tout noir. La forêt est devenue noire. On s'est mis dans la même position encore. Et puis, à un moment donné, on a dit, attention, on va demander la volonté de Dieu. On a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, que cette tornade qui s'apprête là s'arrête et que le soleil brille pendant 3 jours, alors on saura que c'est toi qui veux que nous rentrons en ville, alors nous allons rentrer. Frères et sœurs, pas plus de 5 minutes, tout est devenu clair. Clair. Vous pensez qu'on a attendu 3 jours? Le lendemain matin, on a pris les bagages, on a pris nos motos et on est venu en ville. On est venu participer à la convention avec l'arrivée de Frère Favre. C'est à ce jour-là que tu as parlé en langue et tu as interprété. Bien-aimé, je dis ces choses pour vous dire que c'est le temps où nous devons apprendre à connaître le Dieu avec qui nous marchons pour que nous laissions conduire par son esprit. Et quand nous sommes ensemble là, vous allez écouter ce que je vais dire maintenant. C'est peut-être un peu grave. Quand nous sommes ensemble, là, regardons comment nous sommes conduits les uns les autres. Qu'est-ce que Paul a dit dans Romains 8? Ne peut être conduit par l'Esprit de Dieu que celui qui est fils de Dieu. Amen.
Si vous observez quelqu'un qui ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Elle n'est pas fille de Dieu. Séparez-vous de lui. Parce que votre communion ne marchera pas. Vous perdrez votre temps. Vous rentrez dans des discussions inutiles. Parce que ceux qui sont du même esprit marchent ensemble. Ne dit-on pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble? C'est pour ça que être conduit est important. Qui te conduit? Tu dis tu es chrétien, mais qui te conduit? Tu dis tu es chrétien, mais qui te conduit? Donc je disais qu'on va lire dans quel passage j'ai dit? J'ai dit Jean combien? Jean 1. Alors dans Jean 1, 29. Vous allez voir pourquoi. On va lire quelques passages rapidement. Dans Jean 1, le verset 29. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste. Il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jean ne peut pas faire de déclaration s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Il dit, celui qui m'a envoyé là, il m'a donné des consignes précises. Il m'a dit ce qui doit arriver. Comment je vais reconnaître celui pour qui je suis venu pour un témoignage là? Je ne sais pas si vous saisissez. Vous ne saisissez pas? Non, beaucoup ne comprennent pas. Jean-Baptiste va montrer que lui-même là, il ne connaissait pas qui est Jésus. Il ne connaissait pas qui est Jésus. Mais comme il est prophète et qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu va lui dire qui est celui pour qui il est venu. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que c'est là où il y a des problèmes. Quand tu n'es pas conduit par Dieu, tu ne peux créer que de la confusion. Mais quand tu es conduit par Dieu, tu ne peux qu'amener des gens sur la droite ligne vers l'objectif que Dieu s'est fixé. Le but, c'est qu'il puisse manifester Jésus à Israël. Mais comment pourrait-il manifester Jésus à Israël si lui-même ne le connaissait pas? Ce n'est pas pétard. Et alors, quand Jésus passait, puisque Dieu lui a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, quand il baptisait, beaucoup de personnes voulaient venir se faire baptiser. Mais quand l'autre est venu, en tant que prophète, quelque chose s'est passé. Il lui a dit, mais c'est moi qui est venu être baptisé par toi, c'est pas moi. Il dit, nous laissons faire. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, lui dit, celui qui est devant toi là, c'est de lui qu'il est question. Hein. Et puis maintenant, il le baptise d'eau. Dès qu'il a fini de baptiser, tout le monde était là, hein. Personne n'a vu le Saint-Esprit. Personne n'a vu l'Esprit descendre sur lui. Seul Jean-Baptiste, seul l'a vu. Il a vu descendre. Et s'arrêter. Il pouvait dire aux gens, c'est de lui là qu'il est question. Est-ce que nous pouvons faire la même chose aujourd'hui? Mais oui, si seulement si nous nous laissons conduire par son esprit. Je vais vous donner un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, concernant David. Ce n'est pas pour son onction, hein. C'est pas ça. C'est pour la guerre. Même en guerre, David aime consulter Dieu. David ne va jamais en guerre comme ça. Alors, on va dans 2 Samuel, chapitre 5.
2 Samuel chapitre 5. Je lis à partir du verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Les ennemis sont en face. Mais lui, ce qui l'importe, est-ce qu'il fallait combattre, oui ou non? Les ennemis sont venus l'attaquer. Ils se sont déjà déployés. Est-ce qu'il a la capacité de les combattre, oui ou non? Est-ce qu'il va remporter la victoire, oui ou non? C'est ça qui est son problème. Et il sait que quel que soit le nombre de soldats perfectionnés qu'il aura, si Dieu n'est pas avec lui, la victoire est perdue d'avance. Parce qu'il a fait l'expérience avec Goliath avant. Avant d'être roi, il a fait l'expérience avec Goliath. Donc il sait que si Dieu n'est pas avec toi là, tu es toujours perdu. Il a vu ce qui est arrivé à Saül. Quand Dieu l'a rejeté, il est passé partout pour construire l'Éternel. Jusqu'avec la femme d'Andor qui lui a dit, qui a fait monter Samuel. Et quand Samuel est venu, mais pourquoi que tu m'as dérangé? Dieu t'a rejeté. Ce soir même, tu seras avec moi. Ce soir même, toi, ton fils Jonathan, là, vous serez avec moi. Pour toi, est terminé sur la terre. Il voulait connaître la volonté de Dieu pour aller faire la guerre là. Il lui a dit, dans cette guerre-là, tu as perdu d'avance parce que Dieu ne sera pas avec toi. Donc David connaît toutes ces expériences-là. Alors aller en guerre, c'est mettre en péril la vie des hommes qui sont avec lui. Et il ne peut pas s'engager comme ça si l'Éternel des armées n'est pas pour lui. Alors il va consulter, dit, et David consulta l'Éternel. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ils sont en face. David pouvait aller comme ça. Ça serait frontal. Mais Dieu, qu'il a conseillé, Dieu a dit non, ce n'est pas la bonne technique. Pourquoi on l'appelle l'Éternel? On dit l'Éternel des armées. C'est pas comme ça qu'on l'appelle? C'est le chef de guerre. Il a plus de stratégie que tous les stratèges militaires de la terre. Vous préparez toutes vos bombes pour aller attaquer un pays si Dieu ne veut pas. Vos bombes ne pourront pas exploser. Lancez toutes les bombes là. Tout va tomber, rien ne va exploser. Dieu peut désamorcer tout. Tout pouvoir, lui, est dans les mains. C'est parce que l'homme crée là qui n'est pas dans sa main. Il domine sur tout. Alors il dit non, David, ce n'est pas ça la stratégie. La meilleure stratégie, écoute bien. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, les cimes c'est quoi? Au sommet. Quand tu entends les pas au sommet des arbres qu'on appelle les mûriers là, alors sache que je suis devant toi. Pas quand tu vas entendre les pas sur le sol là, dans le champ, non, sur la cime. Dieu ne marche pas sur la terre. Il montre à David qu'il veut montrer, il fait quelque chose de particulier. C'est sûr, tu entends les pas sur la cime des murs, le bruit là, tu entends les pas d'un homme sur la cime des murs. Là, sache que je suis là. Alors, à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gezer. Ailleurs, il a dit, cette guerre n'est pas pour toi. Ailleurs, il a dit à David, cette guerre n'est pas pour toi. Va, mais tu verras simplement. Et quand il est arrivé, les adversaires, les ennemis ont commencé à fuir. Parce que lui-même l'a mis, l'a détruit dans leur camp. Frère, il est bon d'être conduit par Dieu. Il est bon d'être conduit par Dieu. Si vous n'êtes pas conduit par Dieu là, ne prenez pas de décision. N'y allez pas. C'est trop risqué.
C'est trop risqué. Souvent, quand les gens disent, frère, on t'a dit de venir, et puis il dit, frère, je ne m'en vais nulle part aussi longtemps que je n'ai pas la pleine conviction que je dois partir. Parce que ce n'est pas mon champ. C'est pour ça que, frère, je ne demande jamais à prêcher. Moi, je ne demande jamais à prêcher. Si vous ne me dites pas de prêcher là, je ne demande pas à prêcher. Parce que c'est trop difficile. La Bible dit, il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Quand je prêche, je vais répondre ce que je prêche. Je vais répondre si je vis moi-même ce que j'ai prêché. Et puis ceux à qui j'ai prêché là, je vais répondre aussi d'eux. Parce que s'ils les conduisent mal, je vais répondre d'eux. Mais eux aussi, s'ils n'ont pas examiné, pour eux là, Dieu va les juger. Mais moi aussi, c'est jugé. Mais la Bible dit qu'il ne va pas rejeter. Il dit qu'ils seront sauvés comme au travers d'un feu. Vous comprenez, non? C'est pour ça qu'on ne se précipite pas. Tu te précipites, tu tombes. Moi, je connais beaucoup de personnes, et vous aussi, vous connaissez, qui pensent qu'on peut faire ce qu'on veut avec l'église d'Abidjan. Moi, j'ai vécu assez longtemps dans l'église d'Abidjan pour savoir qu'on ne peut pas jouer avec cette église. C'est ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le commencement, hein. C'est la fin. Voilà mon petit oncle Joseph. L'année où le Seigneur m'a dit, ce matin encore, tu te tiens au milieu de Dieu, tu leur parles. Ils ont pris la décision, les assemblées. Parce que lui, j'ai dit, Joseph, ne te mêle pas aux assemblées de Dieu. Il dit non. J'ai dit, il ne faut pas te mêler à eux. Reste seul, tu vas voir ce que Dieu va faire. Il ne m'a pas écouté. Donc moi, je suis venu, j'ai parlé, les gens ont cru. Je les ai baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je connais. Et puis, ils vont se mêler avec les assemblées de Dieu pour faire un culte. Et ça dérange les gens. Moi, je viens, je parle aux gens, les gens se baptisent, se convertissent, et moi, je les baptise. Et puis, vont là-bas. Ils ont décidé de faire une réunion contre moi et contre le message. Et je suis arrivé le soir, là, autour de 21h, il dit, tu veux que j'aille leur dire que tu es arrivé? Tu ne dis pas à quelqu'un, je suis arrivé. Tu te tais. Le matin, je me suis levé, j'ai pris ma Bible, je voulais méditer. Oh, ils avaient pris une décision que désormais, quand je vais venir là, ils ne vont plus me céder la chair. Moi, je ne sais pas. Mais quand ils étaient en conciliabule, il y a un qui était présent, qui ne voyait pas, c'était l'Éternel. Amen. Frère, appartenez à Dieu, c'est important. Il vous défendra tous les jours de votre vie. Il vous conduira tous les jours de votre vie. Et vous ne serez jamais dans l'erreur. Alors le matin, je me lève, je finis de prier, je prends ma Bible pour méditer. Et j'entends, ce matin, tu te tiendras au milieu d'eux et tu leur apporteras ma parole. Je dis, non Seigneur. Quand je ne suis pas venu pour ça, je suis très fatigué. La voix répond, ce matin, la voix reprend, ce matin, tu te tiendras au milieu d'eux et tu leur apporteras ma parole. J'ai fermé ma Bible. Je suis sorti. Il dit, ma Céline, tu as du poisson? Elle dit, oui. Fais-moi poisson avec la chicken manger. Parce qu'avant là, le matin quand il m'a prêché, demain, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas avant d'aller prêcher. Elle m'a fait du poisson avec la tique. J'ai bien mangé. J'ai pensé que ça peut empêcher Dieu d'agir. Et on est parti, je suis assis là à côté. Là, dans ce temps-là. Juste dans ce temps, effectivement, comme ça. Et puis, c'est là qu'ils ont venu faire le mélétique et tout. Et on était là, et puis, ils ont chanté. 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 Leur pasteur à stagiaire était à Montezo, il devait venir à R4. Tu te souviens bien encore, non? Chanter, chanter, chanter quand l'heure est passée, chanter qu'ils sont fatigués. Puis, ils appellent Joseph. Il dit, Seigneur, il ne faut pas me faire ça. Je plaide avec lui. Seigneur, il ne faut pas me faire ça. Hein. Et on appelle Joseph dehors. Et puis, je vois Joseph, quand ils ont fini, Joseph vient directement vers moi. Je dis, voilà, frère, là. Il faut te lever pour le rejoindre. Je rejoins, je lui dis, mais il demande si tu ne veux pas parler, tu ne veux pas leur parler ce matin. Hein? Vous qui ne voulez pas que je parle là, qui vous a poussé à demander que je parle? Frère, écoutez bien, Dieu ne fait rien au hasard. Il vous prévient d'avance. Ce qui va arriver là, il vous prévient. Un jour, je vous dirai une chose sur l'église d'Abidjan, actuellement là. Un jour, je vous le dirai. Pas maintenant. Maintenant, je ne vous dis pas. Pourquoi c'est comme ça là? Je ne vous dis pas. Pour que quelqu'un puisse aller et puis on dit, voilà ce que Badia dit, je ne dis pas. Non, il ne dit pas. Et puis, quand Joseph m'a parlé, je l'ai attrapé par la main, dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Maintenant, je vais te dire, quand je vais finir de prêcher,
Quand on va sortir, je salue une, deux. Avant de saluer la troisième personne, la voiture de ce pasteur va venir se garer ici. Tu sauras que la réunion ne va pas avoir lieu. Allons dedans. On a fini de prêcher 45 minutes de prédication. C'était bon. On a fini. On a chanté, puis on est sorti. Je l'ai pris par la main. Les bananes étaient là. J'ai salué la première personne. La deuxième personne. Avant que ma main ne touche la main de la troisième personne. Ah, voilà le pasteur. J'ai dit, Joseph, la réunion est terminée. Il est beau de marcher à Dieu. Hein? Et la réunion est terminée, hein, Joseph. La réunion ne va pas avoir lieu. On rentre. Le pasteur arrive. Le pasteur vient de... Il y a un qui vient de Abobo. Le pasteur central vient d'Abobo. Et puis le jeune pasteur s'est arrivé. Ils font leur homélétique. C'est la théorie de la prédication. Ils font leur homélétique. Il finit et puis... Il dit, bon, il y a un certain badi qui est dans ce village qui commence par déranger les gens. Il dit, c'est moi. Il dit, non, c'est pas venu faire par là. Il dit, non, c'est moi. Non. Normalement, c'est pas lui qui devait venir. Hein. C'est parce que celui qui devait venir n'est pas venu qu'on l'a envoyé. La réunion est terminée. Joseph, on a fait la réunion. La réunion est terminée. Nous, on est restés dans le temple. Ils sont tous partis. Quand on arrivait, c'est chez ce grand frère qui sont en train de manger. Frère, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Ne prenez pas ça à la légère. Ça doit être une préoccupation pour vous. Cela prouve. Vous savez ce que ça prouve? Cela prouve. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, ça prouve que vous êtes fils de Dieu. Sinon, vous allez beau prier, Dieu ne va pas vous répondre. Mais à ses enfants, il leur apporte toujours la solution, la réponse. Il ne peut pas laisser ses enfants dans le trouble, ni dans ce qui est vague. Il est obligé de leur donner des directives précises. Il n'a pas laissé Moïse dans ce qui est vague. Hein. Est-ce qu'il n'a pas donné? Prenez Josaphat. Avec qui? Saül. Avec Akab. Joseph et Akab. La guerre est arrivée. Josaphat. Akab invite Josaphat. Josaphat est un homme sage. Il dit, mais roi, c'est bon, on va aller en guerre. Mais est-ce qu'on a consulté l'Éternel? Il dit, oh là là, j'ai des prophètes là qui sont là. Ils sont bien préparés là. Il les fait venir à CDC, à ses deux cornes. Tout le monde prophétise que la guerre a été déjà gagnée. Ça a son impact très clair, frère, dans le cœur des enfants de Dieu. La beauté de quoi que ce soit ne les trouble pas, ne les attire pas. Dieu met en vous un système d'alerte pour vous prévenir du danger. Alors que les gens ont fini de prophétiser, normalement, Josaphat aurait pu se contenter des prophéties qui sont là. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre par qui on peut conseiller l'Éternel? Oh, oh. Roi, est-ce qu'il n'y a pas un autre par qui on peut conseiller l'Éternel? C'est bien ce qu'ils ont dit, hein, mais à moi, la question me dit, il faut qu'on consulte bien l'Éternel. Il dit, oh, il y a un autre qui est là, mais je le hais. Parce qu'il ne prophétise rien de bon sur moi. Il dit non, que le roi ne parle pas comme ça. Qu'on le fasse venir. Peut-être par lui, Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Josaphat ne veut pas aller mourir. Il ne veut pas aller dans une guerre où Dieu n'est pas. N'allez pas là où Dieu n'est pas. Alors, on sait où il habite. Hein? Celui-là, il ne se mélange pas aux autres. Alors, on envoie un élu qui allait le chercher. Il dit, cette fois-ci là, il faut faire comme les autres. Hein? Là, le roi va te prendre au sérieux. Hein? Il ne faut pas aller raconter des histoires contre lui. Il dit, je vais faire comme les autres. Il n'y a pas de problème. Fais comme les autres. Dès qu'il arrive, le roi dit, oh, roi, c'est pas un problème. C'est pas la guerre. Tu as déjà gagné la guerre. Tu peux partir. Il dit, jusqu'à quand je vais te supplier pour que tu me dises la vérité? Ah, tu cherches la vérité? Tu aimes la vérité? Il dit, mais cette nuit-là, le jeu m'a montré. Cette guerre-là, je l'ai déjà vue.
Les brebis d'Israël étaient éparpillées sur les collines comme ils n'ont pas de berger. Il dit, voilà. Je t'ai pas dit. Je t'ai dit que ce ne prophétise rien de bon. C'est de ça, bah, il dit, par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour entrer en toi? Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Le jour où tu passeras de maison en maison, alors tu sauras par où l'Esprit de Dieu est sorti de toi pour venir en moi. Acab dit, mettez-le là en prison, nourrissez-le d'eau et de pain jusqu'à ce que je vais dire, si tu viens de la guerre, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Moi, j'aime de telles personnes, je les aime. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Dans la maison de Dieu, il faut savoir de quoi tu parles. On ne parle pas par « on pense que », « on croit ». Non, non, non. Je sais, c'est une certitude. C'est un homme de foi. C'est un homme qui parle avec Dieu. On l'a mis là en prison. On attend. Si tu viens là, Dieu, c'est que Dieu n'a pas parlé par la bouche. Vous pensez qu'Acab n'a pas pris ça au sérieux? Mais si. Il demande à Josaphat, tu t'habilles en habit de roi. Mais lui se déguise. Vous voyez les hypocrites? Il se déguise. Et de l'autre côté, le roi a donné un ordre. Il ne faut pas qu'on tue les soldats. Il faut tuer le roi seulement. Donc on cherche le roi. Quand on a tué le roi, on va vers lui. Ah, Josaphat pousse un cri. On sait que ce n'est pas lui. Donc on ne peut plus l'attaquer. On cherche le roi qu'il faut attaquer, on ne le voit pas. Il s'est tellement déguisé qu'on ne peut pas le reconnaître. Mais Dieu le connaît. Alors Dieu va attraper les mains d'un soldat. Il va tirer sa flèche au hasard. Mais l'ange a pris la flèche pour aller jusqu'à Acab. Pour piquer là où Acab doit être piqué pour mourir. Il a reçu la flèche. Il dit à son gars là, fais-moi sortir des camps parce que je suis blessé grave. Acab est mort dans son char. La guerre a pris fin. Je me demande, dès que la guerre a pris fin et qu'on a pris qu'Acab est mort, je me demande comment Sédécias a pris sa pied. Sédécias et ses camarades ont dû prendre leur pied quelque part. Parce que certainement, ils se sont rendus compte qu'un jour, Élie a tué le prophète. Non, ils savent qu'Élie a tué 400 prophètes. Celui-là, il est capable de venir le tuer. Donc, les gens pleuvent. Le roi est mort. Celui qui vous soutient est mort. Et celui qui est là, Dieu avec lui. S'il veut qu'il veut vous tuer, il peut vous égorger. Et puis il n'y a rien. Oui, et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Frère, est-ce que vous voulez marcher par le hasard? Ou vous voulez être conduit? Si vous n'arrivez pas à être conduit, interrogez-vous. Ne perdez pas des deux côtés. Hein. Parce que la Bible dit, les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, l'Esprit de Dieu ne viendra pas te conduire. Ce n'est pas possible. Je peux encore donner quelque chose? Oui, je vais donner encore quelque chose. Mais je donne ça, puis on peut s'arrêter. On peut continuer un peu, non? Ce n'est pas bien grave. Prenons. Je vais donner un dernier. Je ne vais pas vous lasser. C'est dans Luc 2. Ça c'est le dernier. Là, vous faites la promesse. Luc 2, 25. Vous faites la promesse. Ah, il est déjà 17h15. Là, au moins, vous pouvez après aller. Luc 2. Vous connaissez, vous savez de quoi les questions, non? Qui est arrivé là-bas déjà? Luc 2, 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Alléluia. Il était pieux. Il était juste. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas. Point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
Frère, vous voyez, voilà un homme. Voilà un homme de Dieu, voilà un fils de Dieu. Voilà un fils d'Abraham. Il a été prévenu qu'avant qu'il ne meure là, il va voir celui qui doit apporter le salut. Et vous allez voir, hein, comme Dieu l'a prévenu, au moment venu, Dieu doit le conduire pour accomplir ce que Dieu l'a dit. Alors regardez, il va au temple, poussé par sa volonté. Non, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses mains. Bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Amen. Qui l'a envoyé au temple? C'est le Saint-Esprit. Il n'est pas parti de lui-même. Hein. Il était gelé à la maison. Il savait que un jour, il verra, il ne mourait pas avant. Et il était à la maison tous les jours. Peut-être un an est passé, 2 ans, 3, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7. Il attendait. Mais quand l'heure a sonné, le Saint-Esprit l'a pris. Lui-même, il dit, il est temps. Lève-toi, va au temple. Tu vas voir aujourd'hui le salut que j'ai préparé. Alléluia. Et quand il est arrivé, il a reçu cet enfant dans ses mains. Et quand il a reçu cet enfant dans ses mains, il ne l'a pas confondu avec un autre enfant. Il n'y a pas eu de confusion. Hein? Il a en même temps en train de louer Dieu, demander la permission de rentrer. Oh frère, c'est tellement beau de voir quand les hommes peuvent demander la permission à Dieu de rentrer à la maison. Quand on peut demander la permission à Dieu, dit, laisse-moi aller à la maison. Ne me retenez pas. Ne faites plus ce que vous faites. L'arrêtez. Laissez-moi aller à la maison. Vous n'aimerez pas ça? Ça peut être difficile pour ceux qui sont vivants. Mais pour celui qui s'en va, le chemin est tout tracé. Il est conduit pendant tout le temps dans des difficultés ici. Mais quand l'heure a sonné, son maître a dit, viens te reposer. En attendant que les autres viennent te rejoindre à toi. C'est merveilleux. Hein? Il y a encore quelques versets, mais ce n'est pas la peine de rester dedans. Pour vous dire l'essentiel, un frère ne peut être conduit par le Saint-Esprit que ceux qui sont fils ou filles de Dieu. Et de deux, un fils ou une fille de Dieu ne peut pas s'engager dans quoi que ce soit s'il n'a pas reçu l'approbation de Dieu. Et pour avoir l'approbation de Dieu, il va aller consulter Dieu. Je résume, hein, en vous donnant la démarche, il va aller consulter Dieu. Demander à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le temps que ça doit mettre, il doit rester là jusqu'à ce qu'il obtienne l'accord d'abord. Vous voyez, David, Dieu l'a dit, il ne faut pas faire, il ne faut pas aller. Attends. Le jour où David n'a pas consulté Dieu, c'est le jour où Uzza est mort. C'est pas vrai? Il était tellement enthousiaste de faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté la parole de Dieu. Il n'a pas su comment il faut transporter. Il pensait que c'est les animaux qui devaient transporter l'arche. Alors que Dieu avait ordonné que ce soit les sacrificateurs qui portent l'arche sur leurs épaules. Et Uzza avait sa bonne intention de ne pas laisser tomber l'arche, comme si on peut aider Dieu. Il voulait aller aider Dieu. N'aidez pas Dieu. Hein? C'est vous qui avez besoin que Dieu vous aide. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Personne. C'est Dieu qui nous aide. C'est pour ça que les gens disent, toi le ciel t'aidera là. C'est des menteurs. C'est des blasphèmes. Si tu peux t'aider, tu n'as pas besoin du ciel pour t'aider. C'est parce que tu ne peux rien faire que pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut chanter le 380. Tu sais que c'est l'un des cantiques que j'aime bien. On va chanter ça et puis. C'est le 380. Jésus a
mis de eux mon âme sauve. Veux-moi des grands en deux jours. C'est vrai qu'il y a des chants, j'aime les chanter posément. Parce que ça parle. Et comme ça parle, j'aime bien les chanter posément pour que ça parle dans le cœur. Non pas pour que on entend un bruit seulement. Hein, on y va. Jésus a mis de mon âme Thank you.
Est-ce que c'est pas vrai pour vous? Amen. Ah, puissance indéfinie. On a lu la fois dernière, tu as chanté, mais on a lu dans Ésaïe 28. Voilà ce qu'on a lu dans Ésaïe 28. Il y a une pierre précieuse, un roc qui a été mis là. Celui qui prend appui sur ce rocher-là. Je lis avec verset 16. Tu peux venir chanter, Jean-Marie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Amen. Celui qui la prendra pour appui n'aura point à de fuir. Amen. Alléluia. Si nous prenons pour appui ce rocher qui est Jésus-Christ, on ne va jamais se précipiter pour fuir. Parce que la victoire est déjà acquise à Golgotha. Quelles que soient les circonstances, comme un frère le disait un jour, il dit, quand les gens sont arrivés, on a pointé l'âme sur lui. Il lui a dit, ton âme là, tu peux tirer, il n'aura rien du tout. Parce que moi, je ne peux pas mourir si Dieu n'a pas donné son accord. Il dit, tu peux tirer. Hein? Je suis là, il faut tirer. Sa femme tremblait, il dit, non, il ne faut pas trembler, il ne peut pas me tuer. Son âme là, il peut tirer, mais la balle qui est dedans là, ne va pas m'atteindre. Parce que moi, c'est Dieu qui me garde. Je suis un chrétien. Ayez l'assurance. Le monsieur l'a regardé jusqu'à... Il a enlevé son âme, il a descendu son âme. Ils sont retournés, ils sont partis. S'il tremblait là, il allait tirer sur lui. Mais il ne tremble pas. Il y a un autre qui a dit, tu peux me tuer. C'est toi qui... moi, ça m'est arrivé quand j'étais banquier. Je suis allé pour chercher l'argent. Le monsieur sort son élite. Je te dis, hey, monsieur, mais tu as fait du bien à ma famille. Hein. Ce qui va se passer, mon assurance sécurité là, ça va couvrir ma famille pendant tout le temps. Mais toi, tu vas aller en prison. Alors, il faut tirer. Je viens, tu as payé mon argent. Je ne quitte pas ton bureau si tu ne payes pas mon argent là. Tu as payé. L'argent de la société, je vais chercher. Tu as payé ça. Il m'a regardé, il a pris son revolver, il a mis ça dans son tiroir. Et tu veux plus tirer? Il faut tirer. Quand tu as Jésus-Christ comme un ferme appui, tu ne peux pas avoir hâte de fuir. Parce que lui te garde. Que son nom soit béni. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimé. Du Seigneur, oui, cette voix, cette voix est de voix de péché. Jamais, jamais, jamais.
Levez-vous, bien-aimé. Bien-aimé Père Céleste, voici nous sommes au terme pratiquement de cette réunion. David pouvait dire que une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce que dans tes pavis, tu instruis, tu exhortes, tu exauces, tu reprends, tu guéris. Je suis persuadé que cette parole-là a guéri beaucoup de cœurs. Et que ceux qui ont encore des situations, tu vas apporter la solution. De sorte que dans les jours à venir, ils vont rendre le témoignage à la gloire de ton nom. Pas parce que Badi a parlé, mais parce que Dieu a voulu nous parler à nous tous. Nous tous avons besoin de nous laisser conduire par ton esprit. Et pour cela, Père, nous pouvons le faire seulement parce que nous savons que notre nom a été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est pour ça que nous pouvons nous retrouver ensemble. Aussi, accomplis pleinement ta volonté dans la vie de chacun de nous. Laisse pénétrer dans nos cœurs cette parole. Si auparavant nous avons pris des décisions hasardeuses, que désormais nous nous arrêtions pour compter sur toi, pour nous attendre à toi, jusqu'à ce que nous ayons reçu une direction véritable, une directive réelle avant de nous y engager. Accorde le Père, notre Dieu, intervient pour ceux qui sont actuellement qui ont des problèmes dans leur vie. Toi, ce peut les secourir. Toi, ce peut les aider. Ce frère avec qui j'ai parlé cet après-midi, notre Dieu, alors qu'il est rentré, nous avons prié ensemble qu'il soit complètement libéré et délivré et que sa vie change désormais et qu'il soit à la gloire de ton nom. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est dans la même situation, Seigneur, ne laisse pas partir ça qu'il a été délivré auparavant. Accorde le Père, gloire, honneur, louange et exaltation. Nous le demandons et accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.